Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen, sur 101.3 et 7 au Miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires, d'ici et d'ailleurs. À la réalisation, Samuel Guerrier, au micro, Luc Dérault. L'émission est diffusée pour la première fois, le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous écrivant à l'adresse suivante, au miroir de Clio, tout attaché, @gmail.com. Aujourd'hui, pour le 8e numéro de Miroir de Clio, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités pour parler d'histoire militaire et d'histoire politique dans la France de l'époque moderne, soit entre le 16e et le 18e siècle. Bonjour Fadi Elhage. Bonjour. Bonjour Éric Durot. Bonjour. Alors Éric Durot, Fadi Elhage, vous êtes tous deux professeurs d'histoire-géographie dans le secondaire, dans l'Académie de Créteil. Vous avez tous deux soutenu une thèse d'histoire à quelques mois d'intervalle. Fadi Elhage, c'était en novembre 2010, sous la direction du professeur Hervé Drévillon, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La soutenance ayant lieu exceptionnellement, si j'ai bien compris, au pavillon de la Reine, au château de Vincennes. Tout à fait, c'est assez rare. Éric Durot, c'était en juin 2011, votre soutenance, sous la direction du professeur Denis Crouzet, à l'Université Paris-Sorbonne, Paris 4. Alors Fadi Elhage, votre thèse qui a obtenu le prix 2011 d'histoire militaire a été publiée en 2012 chez Nouveau Monde Éditions sous le titre « Histoire des maréchaux de France à l'époque moderne ». C'est exact. Et Éric Durot, votre thèse est également parue en 2012 chez Classique Garnier sous le titre « François de Lorraine, duc de Guise entre Dieu et le roi ». Et ce livre a obtenu le prix littéraire lorrain Georges Sadler 2012 de l'Académie de Stanislas de Nancy. C'est ça, oui. Alors peut-être d'abord une première série de questions communes à vous deux sur votre travail de thèse. Vous êtes tous les deux des historiens qu'on qualifie d'historiens modernistes, c'est-à-dire spécialistes du 16e, 17e ou 18e siècle. Alors comment est-ce que ça commence à... Quand devient-on historien de moderniste? Quand est-ce que cette passion vous prend, Fadi Elhage? Alors la passion de l'histoire, elle est venue pour moi à l'âge de 6 ans, donc là où j'ai commencé à lire mes premiers livres en histoire. Mais alors pour la moderne, ça m'est venu quand j'étais étudiant en DEUG. C'est-à-dire que j'avais eu une excellente enseignante en première année pour pré-semestre, Hélène Chauvineau, puis au deuxième semestre aussi un autre excellent enseignant, Guillaume Lascon-Jarias. Et disons que ça m'a vraiment attiré. Et je me suis dit que, comme je m'étais plutôt bien débrouillé dans leur TD, que c'était peut-être la voie à prendre. Et alors après, je me suis mis à réfléchir à des sujets pour mon mémoire de maîtrise. Et après délibération, on va dire, au bout d'un certain temps, en 2004, je me suis dit, ben, pourquoi pas les maréchaux de France. Très bien. Et Éric Durot ? Oui, sûrement aussi depuis l'enfance. La période moderne, sûrement par goût de la mode vestimentaire de l'époque, je crois, au début, quand on est petit. D'accord. Avant de lire, je pense. Je préférais, disons, les habits des ambassadeurs vénitiens du XVIe siècle à d'autres périodes. J'ai l'impression que c'est venu comme ça. Et après, pour la thèse elle-même, bon, je m'étais toujours imaginé faire de la recherche. Et je suis un peu allé chercher Denis Crouzet, que je remercie évidemment de m'avoir fait confiance. Après les concours, donc, en montant à Paris, à la capitale, donc, parce que je voulais travailler avec lui et sur la période de la Renaissance, en fait. Donc, je suis allé un peu me présenter à lui et on a discuté des sujets. Et le duc de Guise offrait un gros potentiel, puisque finalement, jamais étudié de front et par contre, avec des sources assez abondantes, finalement, à peu près 6000 lettres. Donc, il y avait matière à se consacrer à lui. Le choix du directeur de thèse a été important pour vous aussi, Fadi Elhage? Ah oui, parce que disons que le choix s'est fait d'une manière assez simple, c'est que quand en licence j'avais commencé à me fixer sur le projet des maréchaux de France, j'avais demandé à un de mes enseignants, Pierre Cernat, de me conseiller. Aussi j'ai demandé donc à Guillaume Lascon-Jarias, qui était mon ancien prof et qui est devenu un ami, de me conseiller. Ils m'ont dit de contacter Hervé Drévillon. Et j'avais envoyé un espèce de résumé de projet à M. Drévillon qui
presque immédiatement a répondu favorablement. Et donc du coup, avant même la fin de ma maîtrise, de ma licence, pardon, eh bien, je savais que j'allais travailler avec lui. D'accord, très bien. Alors le travail de thèse, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, comment ça se passe ? Tous les deux, vous faisiez votre thèse en même temps que vous travailliez dans le secondaire, Éric Durot ? Oui, depuis le début, oui. Vous aussi, Fadil. Moi aussi. En fait, j'avais commencé ma thèse avant d'avoir mon poste comme enseignant. Et après, donc, j'ai fait la rédaction quand je travaillais à plein temps, avec 18 heures. D'accord. Et donc, comment s'organise un travail de thèse ? C'est-à-dire que, bon, dès que vous avez un petit peu de loisirs, vous allez dans les bibliothèques, dans les archives. Éric Durot, expliquez-nous un peu le fonctionnement. Oui, c'est ça. Au début, bon, on ne sait d'ailleurs pas trop où on va, si ce n'est qu'on va dans un fonds d'archives, mais... On découvre beaucoup, alors on est tributaire des horaires, des lieux, j'avais aussi des archives en Italie, mais j'ai eu une aide pour ça financière de l'université, donc ça c'est les grandes vacances par exemple, mais c'est pas très désagréable. Sinon oui, le samedi après-midi, le soir, alors en fait c'est un peu différent, moi je l'ai vécu en deux phases, hein, vraiment la phase de dépouillement et de lecture, donc là on est un peu tributaire des fonds d'archives, des horaires. Et puis après, la dernière phase, pendant un an et demi, c'est la rédaction. Donc là, on peut aussi travailler chez soi de manière un peu plus autonome, on va dire. Donc je l'ai vraiment ressenti en deux phases, mais effectivement, il faut être motivé. Il y a les obligations familiales, il y a le travail quand même pour lequel on est payé en priorité. Oui, bien sûr. Ah, oui, d'accord. Fadiela, alors de mon côté, en fait, comme j'ai fait un sujet de la maîtrise jusqu'à la thèse, on va dire que les dépouillements, c'était aussi le grand moment en fait de loisir. C'est-à-dire que même je surnommais toujours à BNF mon lieu de villégiature, parce que dès qu'il y avait un week-end, dès qu'il y avait des vacances, j'allais à BNF. Et puis le soir, la Bibliothèque nationale de France, hein. Voilà. Mmh. Et donc ou les archives nationales, ou même les archives de Vincennes, les archives militaires. Et alors aussi le soir, je pouvais travailler sur les bibliothèques numériques, voir sur les photocopies que je pouvais faire ou mes retranscriptions. Donc j'utilisais Gallica, j'utilisais Google Books, archive.org. Et donc il se fait que je pouvais continuer à travailler même de nuit sur mes travaux. Donc le dépouillement, on va dire, pour la partie purement de la thèse, j'ai prolongé la maîtrise et le DEA donc pendant un an. Et après, j'ai commencé à élaborer le plan à la fin de la deuxième année. Et la troisième et la quatrième année ont servi à la rédaction. Précisons-le pour nos auditeurs, vraiment les moyens actuels vous ont simplifié la tâche. Hein, c'est-à-dire, on gagne 10 ans. On gagne beaucoup de temps, on a des ressources numériques très importantes, Éric Durot. Alors, vous, ça dépend peut-être. Je suis un peu plus vieux, je pense. C'était quand même au balbutiement, donc c'est vrai que c'était encore peu numérisé. Bon, maintenant, je vois maintenant après coup que ça commence à l'être sur les fonds parisiens. Mais en Italie, par exemple, bon, ça ne l'était pas. Et puis, même encore à la BNF, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, là, non, je ne pouvais pas encore bénéficier. Mais enfin, j'aime autant le contact physique, mais c'est vrai que peut-être ça m'aurait simplifié quelques périodes de travail. Ouais. Alors, l'écriture de la thèse, c'est un moment particulièrement éprouvant, difficile, ou au contraire, vous avez eu plaisir à écrire les choses, Fadi Elhadj ? Un immense plaisir. C'est-à-dire, même parfois, on devient presque nostalgique parce qu'on est toujours en ébullition, on cherche toujours à se dépasser, à écrire au maximum. Et donc, c'est vraiment un moment très excitant. On se met des défis, par exemple, d'écrire un chapitre en 2 ou 3 semaines, puis après faire la correction, mettre l'autre en chantier. C'est toujours un grand moment. C'est un grand moment. Éric Durot ? Oui, c'est vrai que bon, j'ai pas eu vraiment le problème de la page blanche. Alors après, je sais pas si le résultat est à la hauteur, mais c'est vrai que c'est un grand moment parce qu'on concrétise quand même. Et je crois surtout aussi, c'est quand on rédige, on réfléchit. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en réflexion, en problématique, pendant la rédaction. Si on s'était contenté d'accumuler des sources, je pense qu'on arrêterait la réflexion un peu trop tôt. Donc c'est aussi un moment de réflexion, l'écriture m'a permis en tout cas de réfléchir vraiment aussi. Hein. Bon, alors peut-être pour nos auditeurs, racontez-nous un peu votre soutenance. Là aussi, c'est un grand moment, c'est quelque chose d'important qui compte, Fadi Elhadj. Ah oui, vraiment, parce que déjà le cadre serait le pavillon de la Reine au château de Vincennes, oui. C'était assez remarquable. Et puis aussi, c'est-à-dire que quand on a conscience qu'on a fait un travail quand même rigoureux, sérieux, construit, on y va d'abord avec une certaine appréhension parce que on est devant un jury, donc on se demande ce que ça va donner. Mais alors après, quand on voit comment le jury s'articule à la pause, on commence à avoir une idée de ce qui va se passer. Et étant donné que j'ai eu un jury qui était extrêmement
calé et aussi extrêmement cordial. C'était, on va dire, non pas un moment de stress finalement, mais même un moment de plaisir et d'échange très intéressant. Ça dure longtemps. Hein. Alors, ma soutenance, elle a duré à peu près 4h30. Oui. Éric Duro ? Oui, c'est ça, à peu près. Hein, 4 bonnes heures. Avec un grand plaisir. Bon, je pense qu'on est quand même... Enfin, pas tant stressé que ça, puisqu'il y a les pré-rapports quand même des membres du jury qui permettent quand même de savoir un peu la manière dont ils nous attendent. Et puis, c'est assez privilégié, puisqu'en fait, assez égocentrique aussi, mais pendant 4 heures, on parle que de soi finalement ou de son travail. Il y a les amis ou la famille qui viennent, il y a la famille qui est soulagée que les recherches se terminent, mais c'est vrai que c'est un moment très intense. Et le lendemain, quand ça retombe, c'est un peu difficile. Une forme de baby blues, c'est ça. Ouais. On retombe sur terre. Alors ensuite, il y a après la soutenance, il y a effectivement la diffusion de la recherche. Bon, j'imagine que vous avez participé pendant l'écriture de votre thèse à des colloques, mais bon, vient le temps aussi de la publication de l'ouvrage. Alors, ce qui est frappant dans vos deux cas, c'est que ça vient très vite après la soutenance, hein, quelques mois après. Oui, parce que le but finalement, enfin mon grand rêve, ça a toujours été d'écrire des livres, de publier des livres. Donc du coup, je me suis dit que je devais le faire le plus vite tant que c'est encore chaud, tant que c'est encore frais. Et c'est pour ça que je m'étais vraiment mobilisé pour essayer de trouver un éditeur. Et aussi grâce à mes contacts, je dois aussi beaucoup par exemple à Thierry Sarment, qui est conservateur au musée Carnavalet, qui justement m'avait aidé à trouver aussi l'éditeur qui voulait bien de ma thèse. Éric Duro. Oui, alors c'est vrai que c'était très rapide, encore grâce à Denis Crouzet qui venait de devenir directeur d'une nouvelle collection chez Classique Garnier, donc Bibliothèque d'histoire de la Renaissance, et donc qui m'a tout de suite après la thèse évidemment orienté. Et puis je remercie aussi, c'est vrai, l'éditeur qui effectivement ne donne pas de limite de signe, donc ça évite par rapport à d'autres éditeurs de complètement réécrire la thèse, donc ça permet de l'alléger un peu, mais de finalement pas passer trop de temps à une réécriture complète. Fadi Alhadj, vous avez fait un travail de réécriture ou de synthèse, ou vous n'avez pas besoin de faire ça ? Pas du tout. En fait, j'ai juste suivi les instructions du jury pour corriger certaines petites choses. J'ai juste suivi ses recommandations, mais sinon, c'est ma thèse telle quelle. D'accord. Juste des annexes en moins. Alors, vous avez publié aussi un autre ouvrage la même année, en 2012, oui, sur le maréchal de Villars, hein, qui est, oui, paru chez Belin. C'était un complément de votre thèse ? Alors, non, on pourrait parler de spin-off, mais aussi... Alors, ce qu'il y a, c'est que ma thèse l'avait essentiellement finie, enfin, pour les corrections, en juin 2010. Et moi, comme j'ai un peu le démon de l'écriture, je me suis dit, bon, faut que je fasse autre chose. Et puis, donc, Thierry Sarment lançait une collection chez Belin. Donc, il m'avait dit que ce serait bien que je fasse un Villars, puisque j'ai déjà un peu travaillé sur le personnage, bien sûr. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Ouais. Et donc, je me suis lancé dans l'écriture immédiatement. Et au printemps 2012, j'avais fini l'essentiel du manuscrit. D'accord, très bien. Alors, comment s'est fait pour vous l'articulation entre votre travail de recherche assez spécialisé et puis la diffusion auprès éventuellement d'un public plus large, Éric Duro ? Comment ça se passe, ça se fait à l'occasion de colloques, de conférences ? Comment avez-vous conçu, oui, les choses ? Non, j'ai fait des colloques après la publication, finalement. D'accord. J'ai écrit des articles pendant les recherches. Ça permet soit de développer un petit point de thèse, soit aussi de quand même garder la main, parce qu'avec 4 ans de recherche en archives, je pense qu'on perd un peu l'habitude d'écrire, donc ça m'a permis d'entretenir. Mais finalement, c'est vrai que ça reste quand même relativement confidentiel, si on peut dire, puisque j'ai fait aucun effort de vulgarisation, finalement, là. C'est un livre, enfin, le principe, c'était de publier la thèse, qui peut peut-être aider après, qu'on va trouver dans des bibliothèques universitaires, mais c'est vrai que il n'y a pas véritablement, même si le personnage rappelle des souvenirs à beaucoup, le travail lui-même, c'est vrai, est quand même très universitaire. D'accord. Fadi Alhadj ? Alors, pour ma part, la thèse, le but, c'est de la publier. Mmh. Donc, du coup, on a conscience que c'est un peu plus confidentiel. Et d'ailleurs, je dois avouer que c'est plutôt, je regarde quelle bibliothèque a acheté l'ouvrage, donc sur le Sudoc. Et c'est là que ça fait plaisir, en fait. Quand j'ai vu que l'école des chartes l'avait, j'étais très content. Alors, pour le Villars, il y avait une optique, on va dire, un peu plus grand public. Mais disons que c'est vrai que j'ai voulu mettre aussi des nouveautés que j'avais trouvées, des espèces de trouvailles. Donc j'ai dû un peu
danser, être un petit peu sur, sur deux volets en même temps. Le côté s'adresser à un public plus large, mais en même temps essayer de mettre les, disons, les découvertes sur le personnage qui sont peut-être parfois un peu plus pointues. Est-ce que c'est facile ça d'écrire pour un public plus large ou... Alors ça, ou pour les difficile. Universitaires, c'est un peu difficile. Je pourrais presque dire que c'est plus facile d'écrire pour les universitaires que pour un public plus large, parce que il faut savoir être accessible aux personnes qui ignorent tout des sujets qu'on aborde. Et là, c'est assez compliqué. C'est même plus difficile que d'enseigner même à des élèves. D'accord. Bon. Eh bien, avant de rentrer dans le détail de vos travaux, on va marquer une première pause musicale. Et on a choisi d'aller plutôt vers le XXe siècle plutôt que de rester dans l'époque moderne. Et on va écouter un extrait du célèbre film de David Lean, un film de 1957. C'est La marche de la rivière Kwai, extrait du pont de la rivière Kwai sur R2R. C'était une musique de Malcolm Arnold, un extrait du film Le pont de la rivière Kwai, un film de David Lean, une musique qui a reçu en 1958 l'Oscar de la meilleure musique de film. Alors nous sommes toujours dans Au miroir de Clio en compagnie de deux invités aujourd'hui, ce qui est exceptionnel, Éric Duroy et Fadi Elhadj, et nous parlons d'histoire politique et d'histoire militaire pour les 16e, 17e et 18e siècles. Alors nous reprenons notre conversation en compagnie d'Éric Duroy et nous allons présenter votre ouvrage qui s'intitule « François de Lorraine, duc de Guise entre Dieu et le roi » qui est paru en 2012 chez Classique Garnier. Alors est-ce que votre ouvrage, Éric Duroy, est-ce qu'il s'agit d'une biographie ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose, Éric Duroy ? Alors c'est une question où je pourrais peut-être pas beaucoup plus répondre qu'avant mon travail, parce que finalement... Bon, ce qui m'a importé, c'est surtout de rechercher d'où vient l'énergie d'un personnage, d'essayer de trouver un petit peu ce qu'on pourrait appeler son identité, ou en tout cas de l'historiciser pour la Renaissance, le concept d'identité, et puis d'essayer de voir comment il essaye d'articuler son identité avec son engagement, avec ses faits, et en particulier donc là en m'adaptant aussi aux sources, qui sont notamment une abondante correspondance, à la fresque qu'il a fait peindre aussi par le primatis et Niccolo dell'Abate,
Donc vraiment, je pense qu'il y a sûrement autant de genres biographiques que de biographies. Donc c'est pas une biographie totale où on essaye de retrouver de la naissance à la mort vraiment le moindre événement, mais c'est plutôt de retrouver effectivement, oui, comment le personnage se voit dans le monde, comment est-ce qu'il pèse aussi évidemment sur ce monde, mais vraiment effectivement de retrouver un petit peu qu'est-ce qui fait vivre ce personnage et comment il voit sa vie, comment il considère sa vie justement à la Renaissance. Alors, un des éléments forts de l'identité du personnage en question, c'est son appartenance à une maison, à un lignage, à une maison prestigieuse, Éric Duroux. Oui, alors c'est vrai que c'est déjà un héritier, comme souvent quand même à l'époque moderne, mais particulier. Donc, il est le deuxième duc de Guise qui se trouve en France, mais c'est quand même une maison donc de Lorraine, c'est-à-dire que son père est le premier duc de Guise, naturalisé français, mais son père donc est le fils cadet du duc de Lorraine, René II, donc le duché de Lorraine dans la mouvance quand même de l'Empire, mais on peut qualifier ça d'un état indépendant quand même. Et donc il descend donc de ces ducs de Lorraine, donc d'une maison régnante. Alors il a une espèce de statut de prince étranger en France qui donne pas de droit particulier, mais qui, pour le roi qui lui permet de réaliser ses hauts faits, donc pour Henri II, c'est quand même un prestige particulier. Et cette maison de Lorraine, elle a plusieurs, disons, particularités. D'une part, elle a une généalogie mythique, une des plus fabuleuses, disons, de la Renaissance, hein, qui se disent descendre de Godefroy de Bouillon, de Charlemagne, évidemment. Et donc là, on a des personnages qui se voient un peu comme le bras armé de Dieu au sens catholique du terme, là, surtout au moment de la période de la Réforme. Hein, c'est-à-dire notamment des personnages dont le lignage serait déjà favorisé par Dieu. Et le duc de Guise, donc mon François de Guise, là, se considère vraiment comme un héritier et visiblement, il intègre parfaitement ce qu'on peut appeler un capital identitaire, un peu au sens de Pierre Bourdieu, hein, mais où il va puiser dedans effectivement une partie de son énergie pour effectivement vivre sa vie, mais déjà en tant qu'héritier. Alors, il est né en 1520, c'est ça ? C'est ça, et oui. Et c'est vraiment à partir de la fin des années 40, c'est-à-dire au début du règne d'Henri II, qu'il acquiert une importance dans une importance politique, militaire dans le royaume de France. Voilà, c'est ça, oui. Alors, effectivement, sa jeunesse bon, est relativement mal connue, sauf si on sait qu'il est élevé à la cour de France. Mais effectivement, le point véritablement après particulier pour sa vie à lui, c'est effectivement la faveur, ce qu'on appelle la faveur du roi Henri II, qui l'élève parmi ses trois, quatre favoris principaux, et qui va lui permettre de s'exprimer, ou en tout cas de lui donner l'impression qu'il va pouvoir exprimer un peu toutes les valeurs de son lignage, en le faisant gouverneur du Dauphiné et de la Savoie, plusieurs fois lieutenant général dans les moments de crise, donc avec des postes prestigieux. Donc il faut effectivement, une chose c'est un lignage prestigieux, mais il faut aussi effectivement que le roi valide en quelque sorte cette place, et il va même le placer au-dessus des princes de sang, hein, c'est-à-dire de la famille royale élargie, donc il lui permet effectivement en France de jouer un rôle politique majeur en acceptant d'en faire vraiment un personnage d'importance. Alors vous dites que c'est un sommet du triangle de la faveur royale, incarné aussi par le connétable de Montmorency et par Jacques d'Albon de Saint-André, Éric Duroux. Oui, c'est ça. Enfin, Henri II est beaucoup plus fidèle que son père. François Ier. Que François Ier, oui, pardon. Donc, pas de disgrâce particulière. Hein. Henri II, c'est quelqu'un, oui, qui a beaucoup de défauts, mais qui est fidèle, en tout cas. Et il s'entoure rapidement, déjà, lorsqu'il était dauphin, de trois pôles principaux. Il y a le connétable de Montmorency, qui a été disgracié par son père. Donc, déjà, en le rappelant, il montre qu'il désavoue un petit peu la politique de son père. Connétable, peut-être qu'on va rappeler pour nos auditeurs. En gros, on va dire que c'est le chef des armées. Hein, mais effectivement, sous Henri II, il y a tellement de moments de crise que c'est le lieutenant général en fait qui a le rôle principal. Mais c'est vrai que c'est quand même une fonction extrêmement importante, une des principales. Et Montmorency, c'est un peu son père adoptif. Il est quand même nettement plus âgé. Et effectivement, Henri II, qui a des relations un petit peu difficiles avec son père, on a l'impression qu'il trouve en connétable une espèce de sagesse paternelle, on va dire. Le deuxième sommet, ce serait plutôt un frère adoptif ou un ami, c'est le maréchal de Saint-André, qui est à peu près son âge,
qui est dans l'intimité. Lui, il assiste au réveil. Alors, il semble jouer un rôle politique un peu moins important, mais c'est probablement le confident, vraiment l'ami ou le frère, finalement, que le frère du roi. Et puis, alors, le troisième sommet du triangle, il est un peu particulier parce qu'en fait, il a deux favoris. Il a le duc de Guise et son frère, enfin, l'un de ses frères, qui est le cardinal de Lorraine, Charles cardinal de Lorraine. Donc en fait, il accorde sa faveur vraiment au duo, là, enfin un véritable couple gemellaire qui avec leurs deux fonctions respectives, joue un rôle de premier plan, notamment quand l'un est parti de la course et l'autre qui assure la présence de la famille. Donc, et ça, c'est effectivement une fidélité qui ne se dément pas de tout le règne, même si le règne est court de 1547 à 1559. Alors c'est pendant ces années-là que François de Guise, donc votre personnage, devient un véritable chef de guerre, Éric Durot, avec différents exploits qui sont évidemment relatés. C'est ce qui m'avait fait penser effectivement à une espèce de triptyque identitaire, c'est-à-dire qu'il lui faut trois choses. Il lui faut le lignage, évidemment, comme toute noblesse, et donc là un lignage qui visiblement lui donne une énergie particulière. Il faut la faveur royale, hein, qui lui permet de s'exprimer, et puis il manque encore le mérite personnel, c'est-à-dire de vérifier que Dieu accorde bien à la génération présente ce qu'il a voulu accorder aux autres. Donc là, l'aspect plus personnel du mérite, il l'acquiert, alors on va dire qu'il assoit un petit peu sa personne avec le siège de Metz en 1552, lorsqu'il résiste victorieusement donc à Charles Quint, à la fin de l'année 1552, et qui fait que Charles Quint lève le siège. Et là, c'est le grand retentissement, c'est vraiment la renommée du duc qui, enfermé avec quelques Français, résiste à une armée 10 fois plus nombreuse, donc en tenant à l'intérieur de la cité qu'Henri II venait de prendre. Et cet exploit-là, il est tout de suite médiatisé, Éric Durot ? Oui, l'exploit est médiatisé après par des impressions, hein, d'imprimeurs dès l'année d'après, mais vraiment dans la correspondance, toute la noblesse le sait, 2 mois après, c'est toute l'Italie. Il reçoit des lettres, donc en tout cas dans le milieu déjà de la noblesse, c'est vraiment un grand capitaine victorieux. Et puis même on peut parler de popularité, puisqu'on le reverra même après pendant la première guerre de religion, où il joue un rôle essentiel à la tête des catholiques. Ça lui donne vraiment cette image de capitaine qui inspire confiance et qui va pouvoir réutiliser après au fur et à mesure. Mais le siège de Metz et sa victoire là à Metz en tant que commandant donc des troupes françaises, là, assoit le personnage, et lui-même probablement estime que Dieu lui a bien accordé sa grâce, donc il est digne héritier des ducs de Lorraine. C'est sa naissance médiatique, institutionnelle, est-ce qu'on peut dire oui, ça comme ça? Oui, en termes de popularité, oui déjà, et là, même les ambassadeurs étrangers notent que, bon là c'est sûr, c'est probablement le principal favori, on a l'impression que il va pouvoir presque souffler un peu, c'est-à-dire qu'il a prouvé aussi au roi qu'il pouvait le garder en tant que favori, effectivement, pendant tout le règne. Donc je pense qu'il y a eu un soulagement pour lui, cette victoire. Alors, dans les années 1550, par la suite, il va y avoir d'autres exploits, d'autres épisodes qui vont forger la légende du personnage, ou c'est plus complexe que oui, ça? Oui, alors l'exploit peut-être plus connu que la défense du siège de Metz, c'est la reprise de Calais aux Anglais, hein, qu'il tenait depuis 2 siècles, qui était considéré comme imprenable, et que le duc de Guise va prendre en début janvier 1558, avec assez peu d'hommes, par surprise, et alors que le connétable de Montmorency est en prison, il est prisonnier. Il est prisonnier des impériaux et des espagnols parce que lui, il a perdu une bataille à l'année 1557. Donc le duc de Guise, en reprenant Calais, non seulement il va flatter, on va dire, l'orgueil national, il va s'en prendre donc à l'ennemi héréditaire qui sont les Anglais à cette époque, et puis en plus il est considéré comme le sauveur de la France, puisque le connétable et une partie de la noblesse française, elle, est emprisonnée. Donc là vraiment c'est encore, on va dire, une confirmation encore qui prouve que vraiment là c'est le capitaine victorieux assuré. Mais entre les deux, il y a eu l'expédition de Naples, oui. C'est ça ? Et là, c'était moins brillant. Oui, alors la dernière guerre d'Italie, elle est menée par le duc de Guise en 1557, mais effectivement, c'est raté, puisque le pape qui leur promettait le royaume de Naples de manière aussi institutionnelle et religieuse se rétracte. Donc
sa réussite, c'est que le connétable de Montmorency perd en Picardie à ce moment-là. Donc le duc de Guise étant rappelé d'urgence d'Italie avec ses hommes, le fait qu'il n'arrive pas lui à gagner en Italie est effacé. Il est vu comme un sauveur qui revient sauver la France. Donc finalement, l'échec d'une partie de l'armée française en Picardie lui permet d'être rappelé d'Italie avec l'honneur sauf, alors qu'il aurait sûrement été rappelé, mais avec la tête basse. Hein. Donc le fait qu'il ramène ses hommes déjà vivants et qu'ils reviennent sauver la France, là, lui permet finalement d'une espèce d'échec, d'en faire un retour triomphal, mais grâce à la défaite de son rival, le connétable. Alors tout va peut-être basculer pour cette famille sous le règne suivant, c'est-à-dire qu'Henri II, je le rappelle peut-être pour nos auditeurs, meurt de manière accidentelle à l'occasion d'un tournoi en juillet 1559. Et bon, c'est son jeune fils François II qui prend les commandes, qui prend la tête du royaume, mais qui est tout jeune, dans une situation de fragilité. Et là, les Guises, et notamment François de Guise, vont jouer un rôle considérable. Pourquoi, Éric Duroux? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, un élément aussi de la faveur, c'est évidemment la politique matrimoniale. Et la sœur aînée de François de Guise, c'est Marie de Guise, qui est en fait la mère de Marie Stuart, reine d'Écosse. Donc, lorsque, en 1558, le duc de Guise prend Calais, après, on célèbre les noces du dauphin, donc du fils d'Henri II, François, avec Marie Stuart, afin d'unir les deux couronnes futures de France et d'Écosse. Et donc, quand le jeune François II monte sur le trône en juillet 1559, il a à peine 15 ans, et donc c'est en fait ses oncles par alliance, c'est-à-dire les Guises, qui vont gouverner à peu près à sa place, au moins une partie de son court règne qui ne dure qu'un an et demi. Donc en fait, le duc de Guise, et son frère le cardinal de Lorraine peuvent rebondir à la mort d'Henri II, puisqu'ils auraient peut-être pu perdre la faveur à la suite, mais parce que en fait ce sont les oncles par alliance du nouveau roi, et le nouveau roi étant jeune, hein, ils mettent un peu la main sur le gouvernement, hein, en écartant justement leurs rivaux précédents. Alors vous parlez pour cette période d'appropriation avide et crispée du pouvoir. Qu'entendez-vous par ces termes, Éric Duroux? Alors, parce que les Guises font un peu le ménage et s'entourent que de fidèles qu'ils récompensent, et alors qu'on est en période de quasi-banqueroute, hein, pour les caisses sont vides, hein, ils vont cibler un minimum de personnages qu'ils vont gratifier et faire beaucoup de mécontents de l'autre côté. Donc une attitude un peu crispée, parce qu'ils sentent bien que ça peut pas tenir, que les princes du sang réclament leur part au gouvernement, et donc les Guises apparaissent pour beaucoup comme des personnages qui sont en train d'étouffer le roi et de gouverner uniquement à leur manière, donc contrairement à ce qui est appelé les lois du royaume, même si elles n'existent pas vraiment, mais c'est-à-dire quand même que les princes du sang doivent participer au gouvernement, et là ce sont uniquement des oncles par alliance, hein, mais effectivement donc de manière assez avide, puisque c'est presque une politique familiale, on pourrait dire, qu'il mène à ce moment-là. Alors, vous êtes dans un de vos chapitres qui est particulièrement passionnant, vous évoquez l'action des Guises en Écosse. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous présenter les conclusions de ce chapitre, Éric Duroux? Oui, alors pour les Guises, l'Écosse est primordiale, puisque c'est donc leur nièce Marie Stuart qui est reine d'Écosse, et qu'ils tiennent leur pouvoir en France grâce aussi à cette alliance. Et l'Écosse connaît un peu la même histoire, que la France, c'est-à-dire qu'il y a une montée de la réforme protestante, à tonalité même nettement calviniste, et on a des barons écossais qui se révoltent contre le pouvoir français en Écosse, ainsi que contre la religion catholique. Enfin, ils font des deux thèmes, un seul et même combat. Et c'est un peu la même chose qui se passe en France à peu près dans les mêmes années. Donc les Guises vont appliquer en Écosse, qu'ils essaieront d'appliquer en France après, c'est-à-dire d'abord une politique répressive contre le protestantisme. Ils vont tenter effectivement de débarquer des hommes en Écosse pour soutenir le peu de partisans français. Et finalement, perdront l'Écosse pendant... Donc ils gouvernent à la place de leur neveu, puisque Marie de Guise meurt et que les Anglais, qui sont allés aider les Écossais protestants, puisque l'Angleterre, là, se rapproche des calvinistes, donc les Anglais mettent fin à la présence française en Écosse, qu'on appelait l'Old Alliance. Déjà, pendant la guerre de Cent Ans, l'Écosse permettait à la France d'une alliance de revers contre l'Angleterre. Et donc les Guises s'investissent en Écosse presque autant qu'en France, hein, puisque c'est un petit peu leur raison d'être
en France, elle se joue en partie, leur destin se joue en partie en Écosse. Alors, continuons à progresser dans la chronologie et nous arrivons donc, François II meurt au bout de 18 mois de règne et nous arrivons au règne de Charles IX, donc, mais qui a 10 ans seulement, donc qui est placé sous la régence de Catherine de Médicis. C'est à ce moment-là, Éric Duroux, que les Guises et François de Guise en particulier deviennent les champions du catholicisme dans une réforme qui est en train vraiment d'éclore à ce moment-là. Oui, alors c'est vrai que le duc de Guise arrive un peu à transformer, disons, son aura, son capital de grand chef de guerre en un champion du catholicisme, c'est-à-dire d'abord en défenseur du catholicisme, puisque Charles IX fait revenir à la cour des protestants, comme le prince de Condé, et puis même le premier prince de sang, Antoine de Navarre, qui s'était rapproché des protestants au départ. Et donc le duc de Guise a le sentiment que le roi étant trop jeune et mal entouré, qu'il n'a pas suffisamment, en quelque sorte, lui-même un petit peu d'influence dans ce nouveau gouvernement, que c'est un peu la nouvelle mission de Dieu qui va faire que c'est à lui que revient la défense du catholicisme. Et donc, c'est à peu près à ce moment-là, donc il arrive un petit peu à accentuer son image de chef catholique avant tout, alors que sous Henri II, c'était quand même d'abord un chef militaire. Mais son lignage, toujours apparu un peu comme les protecteurs du catholicisme, font que Il ravive un petit peu cette partie-là de l'identité lorraine, hein, en s'érigeant un petit peu en champion du catholicisme pour rebondir aussi politiquement, même s'il croit à ce qu'il fait. Évidemment, ça lui permet un petit peu de retrouver des gens qui sont prêts à le suivre. Alors, expliquez-nous un petit peu le rôle de François de Guise dans le début des guerres de religion, donc en 1562-1563. Alors oui, avant que la première guerre de religion éclate vraiment en 1562, il est déjà un petit peu en train de monter un peu ce qu'on pourrait appeler un parti, évidemment pas vraiment au sens actuel, mais de faire comprendre au roi qu'il est bien entouré de gens qui sont prêts à prendre les armes contre les protestants, même si le roi leur interdirait. On peut pas appeler ça un contre-pouvoir, mais enfin ils sont en train de s'organiser entre princes catholiques pour vraiment faire, on pourrait dire, faire pression sur le roi, parce qu'ils sont en train de lui faire comprendre qu'ils peuvent prendre des armes. Et donc le roi, finalement, en vient à l'appeler en tant que à nouveau chef de son armée quand les protestants s'emparent de villes. Le prince de Condé, à la tête des protestants, s'empare notamment d'Orléans. Donc le roi n'a plus d'autre choix que, face à des protestants qui s'emparent de ville, donc d'appeler le duc de Guise en tant que chef de l'armée royale, hein, puisque là, à ce moment-là, les protestants apparaissent comme des rebelles avant tout, donc le duc de Guise va pouvoir être appelé cette fois, mais au moins avec l'avantage d'être officiellement à nouveau le commandant de l'armée royale. Alors, il a un rôle dans le tout début, dans le déclenchement des guerres de religion, selon vous, Éric Duroux ? Oui, quand il a un rôle volontaire et involontaire, mais quand même en partie volontaire, c'est-à-dire que quand il rentre d'une mission très personnelle à Saverne avec des princes luthériens, hein, il passe par Vassy en Champagne, qui est un douaire de sa nièce, et comme sa troupe entend effectivement un prêche protestant, les choses s'enveniment et des hommes du duc de Guise font un carnage et tuent une trentaine de protestants qui assistaient à la scène, donc calviniste, alors de manière officiellement illégale puisqu'ils étaient à l'intérieur de la cité, non pas à l'extérieur. Mais donc pour les protestants, le début de la première guerre de religion, c'est le massacre par le duc de Guise et ses hommes des protestants à Vassy. Et pour le duc de Guise, le début de guerre de religion, c'est quand le prince de Condé, réagissant à ce massacre, prend les armes pour notamment se donner des villes pour être en sécurité. Mais donc il a un rôle, effectivement. Visiblement, il n'a pas donné l'ordre à ses hommes d'attaquer ça, mais en même temps, on se doute que ses hommes devaient se sentir suffisamment soutenus pour s'en prendre violemment à des protestants assistant à la scène. Alors, en quelques mots, là, la fin du duc de Guise, et puis on marquera une deuxième pause musicale. Oui, le duc de Guise, alors qui paraît effectivement complètement victorieux, qui va assiéger Orléans tenu par les protestants et probablement mettre fin, sans doute en bonne partie, à l'espèce de rébellion du prince de Condé, est assassiné justement par un protestant, Paul Trot-de-Méré, qui lui tire un coup de pistolet la veille de l'assaut d'Orléans, probablement. Donc caché apparemment dans un fourré, et le duc décède de ses blessures après. Donc il semble que c'est
pour les protestants, ça paraissait sans doute comme le seul moyen de mettre fin à leur défaite. C'était non pas de battre le duc de Guise dans une guerre, on va dire, avec certaines règles, mais de l'assassiner. Donc il meurt finalement en martyr et en héros pour les catholiques, hein, qui rappelleront souvent son nom pour continuer le combat à la suite. Et pour les protestants, c'est effectivement une vengeance divine bien méritée. Bon, bah très bien. Alors avant de basculer dans une autre époque en compagnie de Fadi El Hadj, nous marquons une deuxième pause musicale et nous évoquons le XVIIIe siècle avec la sarabande de Handel, un des thèmes du film Barry Lyndon de Stanley Kubrick, un film sorti en 1975. C'était une évocation du XVIIIe siècle, la sarabande de Handel, un des thèmes du film Barry Lyndon de Stanley Kubrick, un film sorti en 1975. Alors nous sommes toujours en compagnie d'Éric Duroux et de Fadi El Hadj. Alors Fadi El Hadj, nous évoquons maintenant votre travail. Vous avez fait paraître votre thèse en 2012, votre thèse intitulée « Histoire des maréchaux de France à l'époque moderne », parue chez Nouveau Monde Édition. Alors, expliquez-nous peut-être un peu le projet de votre thèse qui est devenu donc un livre, c'est de faire l'histoire des maréchaux de France. Alors, qu'est-ce que c'est que le maréchalat sous l'Ancien Régime, Fadi El Hadj ? Alors, le maréchalat de France est un office. C'est-à-dire que c'était un office d'abord qui était lié au connétable. C'est-à-dire puisque avant, le connétable était celui qui s'occupait donc des étables, des écuries, donc du roi, et il était assisté donc du mariscalcus, donc du maréchal. C'est là que vient même l'étymologie avec maréchal Ferrand et tout ça. Progressivement, c'est devenu, ça a eu un rôle militaire. Et sous Charles VII, c'est le maréchalat est devenu à intégrer les offices de la couronne. Et donc progressivement, on les a vus se multiplier. Parce que, par exemple, sous François Ier, on a commencé progressivement à avoir 3, puis après sous Henri II, 4, et après on est arrivé à un nombre assez énorme, parfois on en a eu jusqu'à 20. Alors, la dénomination, c'est État et office, parce que finalement, l'État, c'est l'honneur, c'est le fait donc de l'être, et l'office, c'est l'exercice de la fonction. D'accord. Alors, on est avec les maréchaux de France, on est au sommet de la hiérarchie militaire, on peut dire les choses. Alors, comme ça, il y a le connétable qui était au-dessus, mais comme le connétable n'était donc présent que par intermittence, puisque plusieurs fois l'office de connétable était vacant, donc les maréchaux ont gagné plus de place, notamment dans leurs fonctions judiciaires.
C'est-à-dire que là, ils ont commencé vraiment à émerger. Et après, quand donc, l'office de connétable a été aboli en 1627, donc, c'était le doyen qui, par exemple, représentait le connétable lors de certaines cérémonies. Et donc après, c'était devenu, on va dire, un sommet, mais il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on est maréchal de France qu'on doit automatiquement commander les armées, puisqu'il y avait bien des princes du sang qui commandaient. Donc là, par exemple, les maréchaux obéissaient, par exemple, aux princes du sang. D'accord. Alors, combien est-ce qu'il y a de maréchaux de France ? Votre corpus d'études, c'est donc la période, c'est 1515-1793, et vous en avez retrouvé près de 200, c'est ça ? À peu près, il me semble donc 191, quelque chose comme ça. J'avais fait ce choix parce que François Ier avait décidé justement d'augmenter le nombre des maréchaux avec des maréchaux surnuméraires. Et c'est là que l'office a gagné, on va dire, une certaine importance en lien avec le renforcement aussi du pouvoir du roi. Et donc progressivement, comme j'avais dit, il n'a fait qu'augmenter, mais aussi c'était une manière, on va dire, de baisser, on va dire, la valeur du maréchalat, parce que il y a certains offices qui permettaient d'acquérir, on va dire, une autorité, et donc qui pouvaient être problématiques lors de guerres civiles ou même lors de révoltes. Par exemple, on a eu ça avec l'office de connétable, ne serait-ce qu'avec par exemple le connétable de Bourbon. Mais donc en les multipliant, on va dire que la puissance de l'office de maréchal était moindre, c'est-à-dire au niveau politique. C'est pour ça que Brantôme parlait même de places devenues brunneuses et merdeuses. D'accord. Donc ça veut dire qu'au XVIIIe siècle, il y a beaucoup plus... Combien est-ce qu'il y a de maréchaux ? Prenons une année standard, combien il y a de maréchaux ? Par exemple, en 1703, on est arrivé à peu près à une vingtaine. Alors qu'au début du XVIe siècle, on n'en avait que trois officiellement, les trois maréchaux donc ordinaires, et après on en rajoutait un quatrième ou un cinquième surnuméraire. Mais donc quand un maréchal ordinaire mourait, eh bien l'un des maréchaux surnuméraires prenait sa place et D'accord. devenait ordinaire. Donc on observe une inflation en fait. Oui, absolument. Très bien. Alors si on regarde maintenant un petit peu les choses dans le détail... Vous posez la question dans un des chapitres de votre livre, est-ce que la fonction ou est-ce que l'office de maréchal ou de maréchaux de France, c'est un tremplin ou est-ce que ça marque la fin de la carrière militaire ? Alors, comment répondre à cette question, Fadi Elhadj ? En fait, ça dépend. C'est-à-dire que, on va dire, ça dépend des personnages et aussi des périodes. Par exemple, si je prends le cas du XVIIIe siècle où il y avait beaucoup de périodes de paix, là, forcément, fréquemment, c'est pour consacrer, on va dire, une carrière. Plus ou moins bien remplie, ça dépend. Mais disons que même la moyenne d'âge était beaucoup plus importante. On avait une moyenne d'âge parfois qui dépassait les 60 ans. Alors que dans des périodes antérieures, eh bien, c'était pour, susciter l'émulation, pour inciter à rendre encore plus de services. Pour ça que, par exemple, Turenne a été fait maréchal de France à l'âge de 32 ans. Parce qu'il avait montré des capacités. Au XVIIe siècle. Voilà. Et donc, on a voulu l'inciter à rendre encore plus de services à l'État. Donc, on l'a fait maréchal de France. D'accord. Alors, si on regarde un petit peu les choses aussi dans le détail, les maréchaux de France n'ont pas seulement une fonction militaire, ils ont d'autres fonctions, en fait, Fadi Elhadj. Tout par à exemple, fait. Expliquez-nous ça. Ils incarnent ce que Bernard Barbiche a appelé la confusion des pouvoirs. C'est-à-dire que le roi de France avait les différents pouvoirs confondu en lui, c'est-à-dire ce qu'on a appelé après les trois pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire. Les maréchaux de France représentaient le roi de France, c'est-à-dire dans la dimension, on va dire, exécutive, le commandement des armées par exemple, symbolisé par un bâton de commandement qui est devenu le bâton de maréchal et qui était une forme de sceptre. Aussi au niveau législatif, quand ils édictaient des règlements, par exemple sur le jeu ou des choses comme ça par rapport à l'honneur nobiliaire, et au niveau judiciaire avec le fameux tribunal du point d'honneur qui réglait des contentieux entre gentilshommes. Donc de multiples fonctions pour les maréchaux de France. Alors est-ce que ça rapporte d'être maréchal de France, les appointements ? Est-ce qu'on a une idée précise ? Vous Alors, avez pu faire des calculs ? Ça ne rapporte pas grand-chose puisque de manière brute, c'est 13 522 livres et 10 sous au XVIIIe siècle. Il faut nous dire à quoi ça correspond, ça, pour
une idée, enfin, est-ce que c'est important, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? C'est pas énorme. C'est pas énorme, surtout que quand on voit l'évolution de la monnaie durant l'époque moderne, ça ne valait pas énormément, ce qui fait que beaucoup de maréchaux, enfin on a plusieurs cas de maréchaux qui demandent des pensions supplémentaires parce qu'ils disent on ne peut pas subvenir à nos besoins. Et surtout que on va dire les appointements nets, c'est 9000 livres, c'est-à-dire que des 13 522 et 10 sous, finalement ils n'en touchent que 9000. D'accord. Donc ce qui n'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Alors prenons peut-être des exemples concrets, parce que là on est resté encore un petit peu théorique. Est-ce que vous pouvez nous donner des quelques noms des plus célèbres des maréchaux de France qui sont encore connus aujourd'hui, Fadi El Hadj? Est-ce qu'on peut citer quelques exemples? Oui, par exemple, on a le fameux Lapalisse pour le XVIe siècle. On a par exemple Turenne. On a Vauban. On a Villars et Maurice de Saxe. Alors, vous êtes intéressé, vous, particulièrement au maréchal de Villars dans un autre de vos livres, paru également chez Belin en 2012 et qui s'intitulait « Le maréchal de Villars, l'infatigable bonheur ». Alors, Louis-Hector de Villars, né en 1653, mort en 1734, pourquoi est-ce qu'il compte dans notre histoire militaire, Fadi El Hadj? Alors, Villars, on va dire que c'est un personnage qui a beaucoup marqué, puisqu'on le présente souvent comme le sauveur de la France, puisqu'il a commandé l'armée de Flandre à un moment difficile durant la guerre de succession d'Espagne, et donc il a commandé l'armée avec le maréchal de Boufflers à la bataille de Malplaquet en 1709, où il était gravement blessé, et il a été aussi le général donc, de l'armée de Flandre en 1712, lors de la victoire de Denain. Alors peut-être le contexte général, c'est quoi cette guerre de succession d'Espagne? Expliquons-le à Alors, nos auditeurs. Alors on avait justement en 1700 le roi d'Espagne Charles II de Habsbourg qui est mort. Alors par son testament, il a désigné le duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, comme roi d'Espagne, qui est devenu Philippe V. Alors le problème, c'était que Louis XIV s'est emparé de place des Pays-Bas espagnols avec l'armée française pour dire que là il fait cette opération pour les droits donc de son petit-fils. Ça a été considéré comme une provocation par la Hollande, et il y a eu après un engrenage donc une coalition qui impliquait donc les Hollandais, les impériaux, donc le Saint-Empire, parce qu'ils revendiquaient aussi la couronne d'Espagne puisque c'était des Habsbourg, le roi d'Angleterre également, donc Guillaume d'Orange, ennemi mortel de Louis XIV et par ailleurs statoudeur de Hollande, et aussi le duc de Savoie. Donc ça a été une guerre avec une immense coalition, et même le royaume de France a connu un moment une grande difficulté puisque une bonne partie de la frontière nord avait été envahie. D'accord. Donc là, le rôle de Villars là-dedans est important, ou est-ce que lui-même a contribué, par une bonne presse, à en gonfler l'importance? Alors, il a eu un rôle parce que, disons que les généraux faisaient un peu pâle figure, on va dire, en comparaison avec d'autres périodes, par exemple à l'époque où Turenne était vivant. Donc là, on se fondait sur deux généraux essentiellement qui avaient des qualités mais aussi des défauts, le duc de Vendôme, qui descend d'un bâtard d'Henri IV, et le maréchal de Villars. Alors Villars, lui, ce qu'il y a, c'est qu'il avait le talent de savoir faire parler de lui, et donc un immense talent de communication, ce qui a permis avec ainsi de devenir maréchal de France, puisqu'il a vu remporter un petit combat à Fridlingen à un moment où la situation des armées françaises était un petit peu critique. Et, alors c'était un tout petit combat, on va dire, et il a envoyé tellement de lettres pour dire que c'était une immense victoire, on a retrouvé plein de prisonniers, plein de blessés dans les villages alentours, qu'après, ben, il a été récompensé. Et c'était en quelle année, ça? En 1702, le 14 octobre. Et finalement aussi, il a paru comme l'un des seuls généraux victorieux là où il se trouvait. Et c'est avec cette image-là qu'il avait pu acquérir aussi une réputation et finalement se rendre presque indispensable. Bon, bien sûr, il faut souligner qu'il avait aussi l'appui de Madame de Maintenon, qu'il connaissait depuis qu'il était enfant. D'accord. La seconde épouse de Louis XIV. Voilà. Donc, il joue un rôle quand même, hein. Il a quand même une certaine science, c'est quand même un bon stratège, on peut dire ça.
Fadi Alhage. Oui, alors disons qu'il avait quand même de meilleures vues que plusieurs de ses pairs, mais ce qu'il y a, c'est qu'il avait des vues un peu larges qui étaient parfois, on va dire, on pourrait presque dire anachroniques pour l'époque, puisqu'il avait élaboré un énorme plan pour atteindre Vienne, qui était inapplicable vu les mésententes avec l'allié bavarois, et aussi ça a demandé une coordination tellement énorme que finalement, il n'a pu être réalisé que quand on était sous le règne de Napoléon. Où là, vraiment, en plus, le plan a fonctionné. Mais aussi, Villars, il faut savoir qu'il faut distinguer les terrains. Parce qu'en Allemagne, il était excellent. Mais par exemple, en Dauphiné, il n'était pas très bon. Puisque la guerre de montagne, ce n'était pas son fort. Et puis aussi, quand il avait des ordres de prudence de la part de la cour, eh bien, il était un peu trop timoré. Et il faut souligner que sa blessure reçue à Malplaquet l'a aussi pas mal refroidi pendant un certain temps. Donc, est-ce que la victoire de Denain en 1712 est vraiment décisive pour la France ? Est-ce que lui-même a joué un rôle fondamental dans cette victoire ? Alors, Fadi Alhage. Il a joué un rôle, mais il n'était pas le seul, puisque c'est un conseiller au Parlement de Flandre qui a imaginé la manœuvre en se promenant pas loin des lignes du prince Eugène, le général adverse. Et Villars a permis de donc il a pu jouer un rôle puisque il a fait le mouvement nécessaire pour commencer la manœuvre, mais le jour de la bataille, c'est donc le maréchal de Montesquieu qui servait sous Villars qui a mené la bataille. Mais Villars a récolté, on va dire, tous les fruits. Donc c'est ça qui s'est produit. Donc là encore, une certaine habileté en matière de communication. Voilà, c'est vrai qu'il avait vraiment une capacité à faire parler de lui et donc à faire un peu sa publicité qui a fait qu'on l'a considéré comme le vainqueur de Denain. D'accord. Donc, la guerre de succession d'Espagne se termine en 1713-1714. Qu'advient-il du maréchal de Villars sous le règne de Louis XV, donc à partir de 1715 ? Sous le règne de Louis XV, d'abord, il intègre la polysynodie, qui était un nouveau système de gouvernement. Sous la régence. Voilà, sous la régence. Mais comme il avait d'énormes mésententes avec le régent, eh bien, du coup, Villars a été envoyé, disons, incité à... on l'a incité à aller dans son gouvernement de Provence, comme ça on l'a éloigné, donc des réformes qu'il ne voulait pas faire, eh bien elles ont été faites en son absence, et donc quand la polysynodie a pris fin, donc Villars était, on va dire, mis à l'écart, sa carrière politique a été très très courte dans le gouvernement. Alors il a vécu globalement retiré à Vaux-le-Vicomte, il allait à Paris, il allait à la cour, mais donc il était surtout dans son château de Vaux-le-Vicomte, et quand la guerre de succession de Pologne en 1733 a éclaté, eh bien, on l'a incité à prendre le commandement de l'armée d'Italie à 80 ans, mais alors c'était vraiment pathétique puisqu'il était malade, il a même dû consommer de l'opium pour pouvoir essayer d'être en meilleure santé, mais donc heureusement qu'il avait de bons lieutenants généraux sur ce coup-là, parce que on va dire que c'est eux qui ont fait le boulot essentiellement. Ça n'a pas terni la fin de sa carrière, tout ça ? Alors, quand il a quitté l'armée pour agoniser. Alors, il y avait des hommages, mais alors quand on a su que il avait ramené de l'argent d'Italie pour s'enrichir, ça c'était son fort, il était extrêmement cupide, ça a déçu, et puis les généraux qui étaient auprès de lui disaient, ah bah il était temps qu'il s'en aille. Très bien. Bon, ben c'est sur cette note que se termine déjà cette émission. Nous étions en compagnie aujourd'hui de deux invités, Éric Durot et Fadi Alhage. Éric Durot, je rappelle, vous êtes l'auteur du livre « François de Lorraine, duc de Guise entre Dieu et le roi » paru chez Classic Garnier en 2012. Et Fadi Alhage, vous êtes l'auteur de « L'histoire des maréchaux de France à l'époque moderne » paru en 2012 chez Nouveau Monde Éditions. Et de Le Maréchal de Villars, l'infatigable bonheur, paru chez Belin en 2012. Au Miroir de Clio, je vous rappelle, c'est le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. On se retrouve dans deux semaines. En attendant, restez à l'écoute de nos programmes. À très bientôt sur R2R.